You look lonely. I can fix that. Hey, forcément, tu me fais la gueule. Hein. Je suis vraiment désolé, Mikaïla. Hein. Bon, ta réaction, franchement, je m'attendais quand même à pire. Eh bien, salut à toutes et à tous, M Compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très en colère. Paf! Je suis énervé, voilà, j'ai révélé la vérité à Mikaïla dans le dernier épisode, absolument riche en émotions. J'espère que vous l'avez apprécié, en tout cas aujourd'hui, nouvel épisode de notre incroyable aventure sur Prey. On est de retour donc dans notre bureau, on a désactivé également notre puce, hein, souvenez-vous, qui nous permet d'être traqué. Même si visiblement les opérateurs militaires arrivent à venir dans le bureau, tranquillou bilou, hein, les opérateurs militaires qui vont nous mener la vie dure. Bref, on va se rendre aux navettes, à la navette de commande pour justement traquer et éventuellement neutraliser Dahl. Qui nous parle comme un chien, hein, puisque voilà, hein, nous sommes un rat, nous sommes une pourriture, nous sommes une merde. J'oublie pas que j'aimerais vraiment tuer le cuisinier, d'ailleurs, où est l'objectif? Là, tuer le faux cuistot, voilà, ce serait pas mal de pouvoir le fumer. Ça se trouve, c'est la même personne, on ne sait pas, parce que, comme dit, moi, je reste un peu figé sur l'idée que comme tout est une simulation, enfin, je veux dire, tout est faux, en fait, quasiment. Vous m'avez conçu pour vous assister. J'ai plus d'instructions. Tais-toi. Mais je ne peux y accéder tant que vous n'avez pas trouvé les deux clés d'armement. Oui, d'ailleurs à ce propos, donc j'ai ma clé d'armement qui est donc que j'avais fabriquée et qui est présentement là en tabarnak. Qui est où? Où est? Là, elle est là. Clé d'armement de Morgane. Et puis ensuite, Alex me donnera sa clé d'armement. Mais ça, d'abord, il faut que je neutralise comme dit Dahl. Mais ouais, tout est simulation, je sais pas qui est gentil, qui est méchant. De toute façon, la finalité à la fin, c'est la mort. Donc on a bien compris. Donc... Ben, j'ai l'impression que tout le monde est tout le monde en fait. J'ai l'impression que le cuisinier peut être n'importe qui. Entre guillemets. Bref, allez, on va rush. N'oubliez pas le pouce bleu évidemment. Installez-vous confortablement, prenez à boire et à manger. Très important. Mettez-vous confortable. Hop. Et hop. On rush, on n'a pas le time. Hop. Accès aux navettes. Évidemment, j'ai cru que je ne pourrais pas y aller, j'ai eu un petit peu peur, je vais pas te mentir. Je me suis dit pourquoi c'est rouge là. Mais on a la carte d'accès évidemment, donc tout va bien. Voilà, on rappelle que c'est Dahl qui est aux commandes maintenant de tout Talos One et qu'on fait partie de la liste rouge. Hein. Moi et mon frère. Ah! Alors attends, parce que là... Là on va avoir un petit problème là. On va avoir un petit problème. Allez, meurs, 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 meurs. Je le pirate, je suis un génie. Je vais le pirater, il va être de mon côté. Je pense, hein. Je pense, hein. En vrai, je suis un pirate ou pas? Est-ce que je suis pas Jack Sparrow finalement? C'est possible. Oh là là, regardez-moi cette maîtrise, 13 secondes. Dépêche. Voilà, on passe en zone safe, comme ça je suis tranquille et hop là! Allez, on est ensemble. Est-ce que je peux te réparer ou pas? Allez, je te répare. Demande de nouvel opérateur. Et ben voilà! On n'est jamais allé là encore. Ce n'est pas les capsules d'évacuation que j'imaginais en fait. D'accord. Opérateur Blackbox NCN9, prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de nouveau. Meurs. Attends, je te pirate. Je te pirate. Je vais tous les pirater. Parce qu'ils vont tous être de mon côté. Ils vont m'être très très utiles évidemment. Surtout que j'ai plus énormément de choses. Donc je dirais pas non à un petit peu d'aide, hein. Oh, regardez-moi ce talent. Ah mince, j'ai parlé un peu trop vite. C'était tellement fluide, j'ai adoré. C'est un très bon début d'épisode en tout cas les amis. Ça c'est ce que j'aime. Ça c'est ce que j'aime. Je peux pas le réparer malheureusement. J'ai piraté mais je peux pas le réparer. Sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a là? J'aime bien Ah je peux pas. Bagage. Qu'est-ce que c'est que ça? Salle panoramique. Oh bonjour Eddie. Docteur You, mon nom est Eddie Voss, je travaille au fret. Voss? Je dois vous avouer qu'on vous a volé, monsieur. J'ai commencé petit, par de la contrebande de peu de valeur depuis la station.
des médicaments, de la nourriture non autorisée. Vous payez peut-être pas assez vos décos du département technique, je sais pas moi. Mais Lily... Alors attendez, parce que là... Elle finit par avoir les yeux plus gros que le ventre. Elle a commencé à voler des neuromodes, des plans de fabrication, et elle les revendait aux concurrents de Transtar. Voilà. Je vous laisse une seconde pour assimiler ça à une de vous. Kasma connaît nos protocoles maintenant. Lily m'a fait modifier certains des vieux boîtiers d'alarme de Talos pour en faire des caches. Je suis sûr que quelques-uns contiennent encore du matériel. Oh non, il a tué mon opérateur! Il faut taper dessus trois fois avec une clé. Il a tué mon opérateur. Pour les ouvrir. Enfin bref, je voulais juste vous dire... J'imaginais pas... Je suis désolé, Eddie, de ta vie là, mais là, j'ai d'autres problèmes en vrai. Hein. J'ai d'autres problèmes là. Hein. Et là, j'avoue, j'ai du mal à me concentrer sur le dialogue. Enfin, c'est pas un dialogue, c'est un monologue là, mais... J'espère que vous comprenez, les amis, ce qui est en jeu, bien sûr. Un chèque d'1 million d'euros en envoyant euros au 732-32, bien sûr. Les choses nous ont échappé. J'aimerais réparer mes erreurs par tous les moyens. C'est tout. Ensuite, là, on a quoi? Je peux y aller ou pas? Ah, j'ai pas la carte d'accès. Restroom, on a les toilettes. C'est bon, ça, j'adore les toilettes. Bonjour. Ah. Voilà la petite tulipe. Lavabo, t'es au lavabo. Allô? Voilà, comme ça on se soigne un peu. Hop, ça se dégage, c'est moche. On tire la chiasse. Ouvrir. Hop là, superbe. C'est superbe. Les toilettes des femmes vont être plus intéressantes, je pense. Voilà, des serviettes hygiéniques, bien sûr. M'étonne qu'il n'y ait pas de fantôme ici, là. Voilà, j'adore tirer la chasse. Ça sert à rien, mais il y a forcément quelque chose, là, les gars. Là, il n'y a rien. Il est où, mon opérateur? Il est là. Voilà. Oh, bah mince. Mince, alors. Ouverture de gaz. Reprise du déploiement de l'opérateur. Et heureusement que t'es là. Hein. Ah d'ailleurs je vais te scanner. Je vais en profiter. Et faiblesse, électricité, UM, explosion, corps à corps. Ah ouais, le corps à corps, j'y ai pas pensé tout bêtement, bah oui. Enfin si, de toute façon on en a fait du corps à corps. On a joué sur les mêmes accords. Oh. Bon bah lui il est HS. Demande de nouvel opérateur. Y'a un triceratops? Opérateur Blackbox NCM9. Y'a un cauchemar. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Y'a un cauchemar. Ah mais il a plus beaucoup de vie. Ouverture dégagée. Il a plus beaucoup de vie, eh, comment ça se fait? Ah mais parce qu'il s'affronte, avec Non mais c'est une blague. Voilà, corps à corps. Hop. Voilà. Ça se passe, hein, on prend notre temps. Et le cauchemar, il est bientôt mort. T'as vu ça? Opérateur Blackbox NCN9. Ah, il m'a vu. Prêt au déploiement. Adieu. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. C'est une blague. C'est une blague là ce qui se passe? Attendez. Voilà. Non, parce que là il se passe trop de choses là. Attends. Il est contre moi maintenant lui là? Pourquoi il est contre moi? On était potes avant. Meurs! 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 Demande de nouvel opérateur. Ouais, ça respawn à l'infini en fait. Bon, 2 minutes à tenir là.
contre le cauchemar. Heureusement il peut pas monter hein. MDR. Bon bah y'a plus qu'à attendre les gars comme d'hab hein. Quand y'a pas le choix, y'a pas le choix. Demande de nouvel opérateur. Ah j'ai capté. Ah j'ai capté. J'ai capté. Attention, combinaison endommagée. J'ai compris la couille. J'ai compris la faille. Non c'est une blague. Et je vais réussir à mourir hein. Comment ça autorisation de tuer? Ça va pas la tête. Allez je te pirate. Je te pirate. En fait ça respawn, il faut que j'arrête le respawn en fait, je suis bête. C'est comme les opérateurs médicaux. Et ouais mais je suis pas fut-fut moi, je suis pas fut-fut. Hein. Allez, on se bandit. Hop. Et le dernier. Ah je m'en sors à merveille là. Hein. Allez, on est ensemble. Est-ce que je peux arrêter la demande d'opérateur ou pas? Ah je peux pas. Ah je peux même pas en fait. Bon. Tu vas t'en sortir, t'inquiète. Allez, encore 50 secondes. Pour le cauchemar là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de venir? C'est une blague. Eh, il m'a fait trop peur. C'est bon, mon opérateur il est avec moi là. Eh, il m'a fait trop peur là, je le voyais monter là. Je le voyais monter là. Aïe aïe aïe. Allez, encore 30 secondes messieurs dames. On peut y arriver bien sûr. Faut juste pas faire le con. Ah il est mort. Il est mort tout seul. Parfait, je sauvegarde. Ça c'est fait. Donc faut que j'aille là évidemment. Qu'avons-nous là? Oh. Une bâche. Ah mais ça sert à rien. Ah. Ah c'est chiant putain. Bon remarque maintenant j'ai la technique. Tu l'immobilises. Et tu le pirates. Mais attendez bougez pas. Oh j'ai un code 6914. Hop. Je verrouille. Alors allez on va manger hein, parce qu'il commence à faire faim. Plan de fabrication de kit de réparation, salle de contrôle des navettes, neuromode, hypopsie. Parfait, on a tout ce qu'il faut les amis. Un épisode qui commence sur les chapeaux de roue. Tac. Bang bang. Galef safe. Qu'est-ce qui t'est arrivé ma pauvre? Safe, ici le capitaine Hale de la navette Exalt. J'essaie de contacter le pont, sans succès. Demande de confirmation. Mon système est en panne. C'est disons généralisé, je comprends pas. Je dois me poser au plus vite. J'ai aussi besoin de la sécurité à mon arrivée. J'entends des bruits étranges dans la cabine. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il s'en passe des choses. Nouvel objectif secondaire, évidemment, on s'en fout un peu, je vais pas te mentir. Attends, non, et franchement, je suis en train de repenser, souvenez-vous. Je voulais sauver un gars dans l'espace et je l'ai tué, vous vous souvenez? Morgan, oh non. January avait raison. Ce n'était pas toi. Mais je continue à entendre ta voix. Et la voix de mon père. Et ce n'était pas toi, je sais. Tu m'as sauvé parce que tu le voulais. Cette personne sur l'enregistrement, ce n'est plus la même. Quelque chose a changé. Il faut que je l'admette. Je vais mieux maintenant. Et je ferai ce qu'il faudra pour qu'on quitte cette station. Mais cet enregistrement vient avec moi. Si tu veux que je te pardonne, aide-moi à l'emmener là où il faut. Peu importe ce que ça signifiera pour toi et pour Transtar. Ah, elle m'a pardonné, mais pas entièrement encore. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi personne ne répond. J'avance plus. Je répète, les moteurs sont coupés. Je pars à la dérive. Bordel, Seth, répondez au transcribe. Ok. Merde. Je fouille la cabine. J'ai une arme de poing. Si tout va bien, je vais tenter une évacuation par un sas. Ok.
Cool ta vie, tu veux un biscuit? On est où là? Ah, on arrive de l'autre côté ici, ok, ouais. Ok, ok. Ah, j'aime bien explorer, vous savez. C'est ma petite passion. C'est mon petit péché mignon. Ah, y'a rien à récupérer, j'ai trop le seum. T'as à dire que maintenant c'est les opérateurs militaires qui me font peur. Hein. C'est ouf, hein. C'est ouf, les temps changent. Elle est gentille, elle? Elle est gentille. Ok, on peut descendre par là. Bon, j'imagine qu'il y a 1000 accès pour aller à notre objectif, de toute façon. Ok. Eh, regardez bien. Y'a rien. Ah. Théo, y'a quelqu'un? Je suis dans le module avec Emanuela De Silva. Nous sommes coincés dans la rampe de lancement. La trappe située à l'extérieur est censée s'ouvrir au lancement du module. Mais les verrous se sont grippés. Vous pourriez nous aider? Vous allez devoir sortir pour débloquer la trappe depuis l'extérieur. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais... j'ai pas d'autre solution. À part attendre là et mourir de faim. Vous trouverez une commande manuelle derrière le panneau pour forcer le lancement du module. Mais surtout n'appuyez pas dessus avant d'avoir ouvert la trappe. Ou nous nous écraserions dessus. Encore tentative d'évasion, que des objectifs secondaires, débrouillez-vous! Eh, je vais pas pouvoir sauver tout le monde, il faut se mettre ça dans le crâne. Hein. Faut se mettre ça dans le crâne. Oh bah là, il y a un module d'évacuation qui a pu se barrer là. Salaud va. Il y en a un qui a réussi à se barrer quoi. A chaque fois, j'ai peur quand j'ouvre de ce que je peux découvrir. Ah. C'est quoi le problème avec ces modules? J'en sais rien. Comment ça t'en sais rien? C'est ton boulot de le savoir, bordel. Tu les as inspectés, non? Oui. Alors pourquoi est-ce que la séquence de lancement déconne? Drou, j'en sais rien, je suis désolé. Et ton module à toi? Ouvre-le. Je peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? Les boulons de la trappe extérieure ont eu des ratés. On est coincé dans le tube de lancement. Vous n'avez attendu personne, espèce d'enfoiré! J'espère que vous crèverez de faim là-dedans. Ah bah c'est le gars qui est parti quoi, ok. Allez viens là mon grand. Hop. Et il est temps de mourir. Voilà. Très bien. Bon bah voilà. Encore une nouvelle zone d'évacuation. Oh waouh. Défaillance module 2. Ça doit être celui-là à mon avis. Commande de lancement, lancer le... Non. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Oh merde! Bon, écoutez, je sais pas ce que vous avez vu ou entendu, mais c'est pas ce que vous croyez. Si, c'est exactement ce que vous croyez. Franck est une ordure. Mais par pitié, ne me punissez pas moi aussi. Je veux juste... Voilà, voilà! Alors, c'est marrant parce qu'il y a 5 minutes, j'étais en train de vous rappeler un douloureux souvenir où j'ai tué un innocent sans faire exprès. Et bah, de la même façon, je viens de faire la même chose. C'est superbe! Et si je lançais le module 3? 4, 5, 6... Non, bah voilà, c'était juste le module 2. Et bah, au moins, j'aurais pas cet objectif secondaire à faire. Je suis désolé, les gars. C'est ça qui est amusant aussi. C'est de pouvoir foutre le bordel. Bon, à la fin, de toute façon, il restera plus que moi et Maïka. Hein. Voilà, Maïka et moi, on va se marier, on aura plein d'enfants. Même si j'ai tué son daron, c'est pas grave. Pas de beau papa, c'est impeccable. Bon, les amis, allez, on direction la navette de commande. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Petite sauvegarde rapide quand même pour sauvegarder un peu nos conneries. Et je ne peux pas sauvegarder. Donc c'est typiquement quand tu peux pas sauvegarder ici. Ah, c'est que dans les escaliers, d'accord. Allez. Bon là l'ascenseur marche pas, faut se faire une raison. Ok, faudrait que j'aille là-bas. Ah mais c'est la carte d'accès que j'ai récupérée, j'ai capté. C'est la carte d'accès que j'ai récupérée, hop. Voilà bébé. On verrouille. Hop, je peux même ouvrir ici. Parfait. Aider Luther Glass, allez voir Luther Glass. Ah bah lui aussi il est mort, voilà, allez hop.
Ça c'est fait, voilà. Et je peux pas sauver tout le monde hein. Je vous ai dit, je peux pas sauver tout le monde. Je sauve ceux qui méritent. Bon. La suite se passe là-bas. L'ascenseur marche pas. On a une note. Fermer les puits gravitationnels pour les empêcher de se répandre dans la station. Il y a un programme sur mon ordinateur. Allez. On va voir. Témoignage d'un rescapé. À mon réveil, j'étais toujours dans la rue. Ah, qu'est-ce qui se passe sur Terre? Un camion M35 s'était arrêté près de moi et son chauffeur me criait de monter. Plusieurs personnes se trouvaient déjà à l'arrière. Au total, mince, je suis perdu. Où c'est que j'ai vu au total? Bon. 4 ou 5 soldats et environ une dizaine de civils, dont des enfants. À bord, quelqu'un m'a donné une bouteille d'eau. J'ai demandé ce qui se passait. Un des soldats a simplement haussé les épaules. Je lui avais dit... Je lui ai dit que j'avais conduit un M35 pendant mon service. Les gens pleuraient dans le camion. J'ai regardé en arrière. La fumée rose se mêlait maintenant de gris et montait haut dans le ciel. Donc il y a eu des événements un peu paranormaux extraterrestres sur Terre, quoi, je pense. Hein. Enfin, par rapport aux mimiques, etc. Hein. Ce qui se passe dans cette station, je pense, c'est en parallèle avec ce qui se passe sur la planète. Hein. D'accord. Eh ben, c'est pas Jojo tout ça. Hein. C'est pas Jojo. Ah, je t'avais pas vu, toi. Ah mais il y a de la lumière, il n'y avait pas de lumière avant. Hop. Voilà, on va craquer, pas de problème. On se va dire. Allez, on y croit. On y croit. Par ici. Oh là, oh, oh, oh. Oh, dommage. C'était presque parfait, cette deuxième. Oh là là. Bon, l'équipage. On en... Bon, ils sont tous morts, hein, de toute façon. Hein, Email, au secours, il y a quelqu'un, nous sommes coincés près des modules d'évacuation. Bon bah ils sont morts aussi du coup hein. Et carte de la zone. Ça veut dire qu'on va y être un bon petit moment finalement. Très bien, regardons un petit peu ce qu'il en est. Donc on est au niveau 2. On a le niveau 1 à explorer. Le niveau 1, donc là c'était les modules d'évacuation ici. Là c'est la suite. Et niveau 3, il y a peut-être quelque chose là-haut, distributeur d'opérateur. Ok, très bien, très bien, très bien. Et puis là, c'est notre objectif. Ok. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Modificateur d'armes. Et c'est tout ce qu'il y a pour cet endroit. Oh, des balles de 9 mm. J'ai failli passer à côté. Hein. J'ai failli passer à côté. Allez! Oh non, opérateur militaire. Il est où? Là-bas, c'est mon frérot, non? Allez. On avance, on s'élance. Oh, ça va être une zone de guerre ici. Hein. Oh, ça va être une zone de guerre, hein, je vous le dis. Oh là là. Comment je fais pour monter là-haut, moi? Voilà, c'est lui qui parlait en fait. Ça m'a l'air safe pour le moment, mais combien de temps ça, c'est une bonne question. Canon rayonnement Q. Mince, j'ai gaspillé ça pour rien, c'est pas grave. Ah, je vais consommer ça pour récupérer ça, très important. Ça aussi je mange, de toute façon j'ai plus de place. Fantôme voltaïque. Où ça? Oh. Oh oh oh, j'adore pirater les ordinateurs. Par contre, il y avait un fantôme voltaïque, je sais pas où il est. Hein. Je sais pas où il est. J'ai pas envie de m'y frotter. Pour être très honnête. Impeccable. Email. Intervention sur les modules. Je vous demande d'interrompre toute intervention sur les modules. Très bien, n'hésitez pas à mettre pause. Il est où le fantôme? Oh, il y a un recycleur là-bas. Il est où le fantôme? Opérateur militaire, il est gentil lui? Ouais, c'est mon gars lui. Ok. Parfait.
C'est mon gars sûr. Il m'a l'air un peu bloqué mais bon. Ok, allez on va recycler un peu des objets parce que trier c'est important, d'accord. Il faut le savoir. Voilà. Hop, allez, on se sépare de tout ça. C'est vrai que putain on a pas beaucoup de place hein. Kit de soins. Ils sont où mes kits de soins? Oh, j'ai plus de kit de soins les gars. J'ai plus de kit de soins donc tout ce qui est nourriture faut que je garde. Ah ouais hein. Bon allez le bracelet ça m'a saoulé, on s'en sépare aussi. Voilà, ce sera déjà pas mal. On peut pas mieux faire. Ah il est là-bas le fantôme. Hop. Ok le fantôme est là-bas alors. Si on pourrait se le faire comme ça, on est tranquille. Là on peut sortir de Talos. Donc là c'est l'extérieur. On va déverrouiller également. On va pas sortir mais. Voilà. Comme ça on sera tranquille dehors. Parfait. Là on a un escalier qui descend. C'est incroyable. Oh là là. Ah oui donc ça c'est l'étage inférieur. Rien de bien incroyable en vrai. Mais voilà, y'a rien ici. Oh, y'a de la radio. Oh là là, mince. Oh là, on l'a échappé belle. Hein. Parce que là, si je pourrais économiser des antirades, ce serait pas mal. Bon, bah, y'a rien à faire en bas. Voilà, c'est mon petit côté plaisir. Et alors, attendez. Opérateur militaire détruit, c'est bon ça? Ouvrir. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Des bonbons. Une note. Annie, je sais que tu ne liras jamais ce message. Je me suis précipité hors de mon bureau quand je t'ai entendu crier, mais il y en avait trop, je ne pouvais rien faire. Tu as toujours été gentil avec moi, tu ne méritais pas de mourir comme ça. Ils sont dans mon bureau maintenant, ils m'encerclent, je suis pris au piège dans ma cage. Je suis incapable de sauver ma propre peau et encore moins la tienne ou même celle de Mia. Même quand je me décide à agir, je fais tout foirer et je suis désolé. Mais non Scott, dis pas ça Scott. Toi ça se voit que t'étais un homme bien toi. Surtout que t'avais la salle des contrôles des navettes. Merci à toi. Mais toi t'étais une bonne personne, ça se voit. Ça se voit. Ok. Je peux ouvrir. Ok. Bien. Donc là, on a une pièce. Et à mon avis, c'est là-bas qu'il y a le fantôme. Le fantôme. Mais non, même pas. Ça va où là? TEG. What? On est au niveau 1. Ça y est, on a tout fouillé du niveau 1. Niveau 2, bah il faut qu'on aille à la navette. Mais attendez, mais what the fuck? TEG? C'est quoi le TEG? En fait, j'ai oublié c'est quoi le TEG. J'ai oublié c'est quoi le TEG, les gars. Alors attendez. C'est vraiment juste pour me rafraîchir la mémoire. C'est quoi le TEG? Parce qu'il y a le grand hall de Talos. C'est une chose. Mais c'est quoi le TEG? J'ai oublié. C'est là que tout a commencé, me semble-t-il. Hein. TEG. Wesh. Bon, c'est pas une zone très. Qui donne très envie, quoi. Aide-moi, toi. Aide-moi, tourelle. C'est quoi cet endroit là? TEG. Tunnel. Ah, on n'a jamais été là, hein. Attendez, on n'a jamais été là. Si, tunnel à fret. Quoi? C'est des zones explorées, ça, non? Oui, c'est des zones explorées, les zones bleues. TEG. Bah, ça doit être des tunnels en fait, c'est ça? J'ai oublié, voilà, je. Tunnel. Ça doit être des tunnels en fait. Rien de bien incroyable. Ouais, c'est des trucs de tunnels de je sais pas quoi. En même temps, j'ai envie d'aller là-bas là.
Ah mais y a pas de courant, je peux pas y aller, ça sert à rien. Ok. Non bah voilà, bah c'était ma curiosité, je voulais quand même checker en vrai parce que c'est vrai que voilà, non mais voilà. Allez, bah c'est pas grave. Allez, de retour aux navettes, hein, on va continuer, il faudrait qu'on puisse évidemment neutraliser la menace. Salut à tous, c'est la menace, aujourd'hui on prend que dans les rues. Ah, alors le fantôme voltaïque, je comprends pas où il est du coup. Ah! Suis-je bête, hein. Cauchemar, regardez, c'est le cadavre cauchemar. Il est juste derrière là. Ah mais il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Et il est mort. Allez salut. Oh le con. Oh je te jure. Ah d'accord. Oh et j'en ai vu des débiles. Mais alors là. Lui c'était un champion hein. Alors. Très sympathique hein. Le cycle de distorsion, n'hésitez pas à mettre pause évidemment si ça vous intéresse. C'est toujours intéressant. Hop, on tire la chiasse, hein. Les lavabos pour la santé mais on est déjà au max. Qu'est-ce qu'on a là? Salle d'outillage. Ok, donc il y a des outils j'imagine. Très bien, oh non. Wesh! Viens là! Viens là! Hop! Allez, j'allume la lumière, comme ça on verra mieux mourir. Voilà, ça dégage. Marie Stevens, je suis désolé pour toi. J'ai pas tout fini là. Il faut un cap clair. Ça je prends, ça je prends, ça je prends. Email. Brouillon. Oh là là. Attendez, c'est un message de Scott ça, non? Ça c'est un message de Scott. Ah oui, Scott Parker, il est amoureux de Annie. Annie, tu te souviens quand tu m'as demandé si tout allait bien l'autre jour? J'ai menti. Ça va pas du tout. Je sais pas ce que j'ai, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi. Je mange plus. Je suis tout le temps sur les genoux. Je me sens super mal. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est dormir, même si je fais des cauchemars tout le temps. J'ai vu le docteur de Silva. Ah mais non, mais du coup il est pas amoureux, c'est juste que... Ou alors c'est juste que je voulais que quelqu'un se souvienne de moi après... Ouais d'accord, ouais. Salut, je sais pas trop ce qui te défrise en ce moment et honnêtement je m'en fiche. Je te demande juste une chose, fais ton boulot dans les temps et arrête de me faire perdre le mien. Oh, Franck, ah ça va, Franck. C'est pas Annie qui lui a répondu ça. Mon pauvre, utilitaire, commande du puits gravitationnel. Allez. Je me suis assuré de rien du tout, mais c'est pas grave. Quelqu'un va mourir encore. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude de faire des bêtises de toute façon, donc bon. Voilà, j'ai activé les trucs gravitationnels. Donc j'imagine les ascenseurs. Je suis même pas sûr de ce que je raconte, mais bref. Alors, en vrai, est-ce qu'on peut y aller là ou... Attendez. Bam. 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 Voilà. Ah, ça c'est pas mal ça. Je... Merci. Oh, j'ai bien fait de venir là. Une très belle zone safe avec kit de secours. Et surtout j'ai vu recycleur, tout ce qu'il faut, neuromode également. Plan de fabrication. Oh, ça fait du bien des zones safe comme ça. Là tu sais qu'il peut rien t'arriver en vrai. Oh, c'est parfait. Oh, une note. Je ne sais pas qui s'amuse à dupliquer des objets à tout bout de champ, mais il faut qu'il arrête tout de suite. Le fabricateur n'est pas un jouet. Les matériaux sont limités. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. J'ai combien de neuromodes? J'en ai 15. Alors attendez, parce que mine de rien, on rigole, mais ça commence à y aller. Alors je sais qu'on peut même en fabriquer des neuromodes, hein, mais justement. Réduit de 25% le coût en endurance des attaques à la clé à griffe. Ouais. Réparation 3. Ouais, armurier. Ouais, ça. Force physique 3. Ah là, il n'y a pas de débat. Modification de combinaison. Plus d'espace dans l'inventaire. Bam! On avance, les gars. Ça y est, on avance. Et en vrai de vrai, c'est vrai que j'ai pas trop de munitions.
J'aurais bien fait des neuromodes, mais on en trouve et des munitions c'est trop compliqué. Donc on va se refaire des munitions parce que... Sinon, ah ben voilà, allez hop, allez, on n'a pas non plus énormément de ressources hein, finalement. Bon ben ma foi, hop ça je prends, très bien, allez petite sauvegarde et puis on avance, on s'élance. Hein. J'adore cet épisode également. Hein. Là on fait un enchaînement d'épisodes mais j'adore le jeu. Le jeu devient intéressant maintenant quoi. Au début c'était plus complexe hein, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, il fallait le temps de se mettre dedans. C'est pas évident. Parce que là vous voyez au bout d'une semaine, à chaque fois je perds pas la main, j'arrive à jouer. Alors qu'au début j'y arrivais pas malgré tout. Donc c'est assez révélateur, je pense que les mécaniques sont plus logiques maintenant. Et avant ça l'était un peu moins. Bon là faut... Ah mais attendez là j'aimerais y aller, il y a un cadavre, attendez. On va vite y aller, de toute façon j'ai ce qu'il faut. Hop. Voilà, tout ça pour ça. Empoisonnement ou radiation détectée. T'inquiète. T'inquiète, je me soigne direct, regarde. Antirade. Là, bam. Du coup, je sais pas ce que j'ai récupéré, mais ça devait être très intéressant. Voilà, donc les ascenseurs fonctionnent. On va pouvoir monter. Tout en haut, oui, parce que là, on connaît déjà. Ah merde, je peux pas monter plus haut. Ah mais j'ai trop le seum. Par contre, regardez la taille de l'inventaire. Oh oui. Bon j'ai toujours de la merde dedans mais... Mais attendez du coup... Maintenant j'ai force physique 3 d'ailleurs donc je peux enlever ça, regardez. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique et je peux même faire énormément de dégâts avec je pense. Hein. Je pense que là ça rigole zéro. Ah là l'ascenseur là, voilà. Oui je savais qu'il y en avait ici. Let's go! Ah non, hein! Ah non, hein! Vous avez pas commencé à me casser la tête, hein! Bon, je vais les pirater les deux, hein! Bonjour! Arrête! Voilà! Tu vas faire quoi? Heureusement, ça met le jeu en pause, hein, le piratage, hein! Ah c'est la petite stratégie, voilà. On trouve des petites tactiques. Ça permet de souffler un peu, de respirer, de se créer un allié également qui va se retourner contre l'autre. Donc ça c'est pas mal. Hop. Et hop. Parfait. Parfaitement exécuté. Il est où l'autre? Il est là. Je suis en train de me faire attaquer par derrière, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas ce qui se passe. On dirait que ça n'a pas porté ses fruits le piratage. À moins qu'il y en ait un autre encore qui est apparu. Tac. Eh, plus je fais du piratage, plus je suis bon. Hein. Attention, qu'est-ce qui se passe derrière moi? Ah mais c'est lui qui m'a tiré dessus en fait. Ah mais sans faire exprès. Voilà bah j'ai deux copains. J'ai deux nouveaux copains. Oh. Eh je te trouve des passages secrets mon copain. Oh là 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 là. J'adore ce jeu pour ça. J'adore ce jeu pour ça. Oh là là. Neuromode. C'est magnifique. Stand clear. Ça c'est vraiment magnifique. Et là on est au-dessus. Alors en apparence ça ne sert à rien. Mais je suis persuadé. Ouais je pense qu'on aurait pu du coup si on n'avait pas la carte d'accès on aurait pu rentrer par là en gros. Mais bon je vois pas comment faire pour louper la carte d'accès. Oh attendez. Ou alors pour esquiver les opérateurs militaires. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Bon bah voilà. Il n'y a rien de plus à faire. Ils sont copains avec moi. Bon maintenant il faut que j'arrive à accéder là. Hein. Comment je fais? Ah bah il faut que je monte. Putain je suis con. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais pris un passage secret qui a mené ici. Incroyable. Allez, on remonte. Patrouille active. Statut OK. Salut les copains. Ça va où ici? Et ben voilà.
Mia Baillé. Ressort. Pièce détachée. Bonbon. Kit de secours. Tuyau. Hippo. Ah, je savais qu'il se passait quelque chose de bizarre là. Allez. Oh! Ouais, vous avez servi à rien, mes copains, mais c'est pas grave. Je suis énervé. On va craquer. Je sais pas si j'avais le mot de passe. J'ai pas le temps pour vos conneries, moi. Je suis un pirate. Je vous le rappelle. Appelez-moi Mkolo Sparrow. Mince. Allez, et de 1. Ok, parfait. Moins parfait. Oh non, oh non, oh non. Ça va. Ok. Qu'avons-nous? Email. Panneau vitré. Ça y est, les panneaux vitrés ont été posés dans la salle de contrôle de vol. Tu devrais avoir une meilleure vue sur la zone d'accès aux navettes. Très bien. Refaire le plein. On t'a envoyé des plans de fabrication pour les médicaments. J'ai désactivé le puits gravitationnel. Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de se bagarrer là. Ok, et là on a un code. Mais on n'a pas besoin. Désolé Mia, je vais voler ton coffre. De toute façon, à mon avis, tu es morte. Hein, donc on s'en fout. Ouais, y a vraiment plus personne dans l'équipage. Hein, c'est impressionnant. On a quand même des rescapés, des survivants. Donc ça, c'est pas mal. Et je pense qu'ils seront prêts à nous aider en vrai. Si jamais, à un moment donné, je pense qu'il y aura un combat final, à mon avis. Et des neuromodes. Ok. C'est plutôt pas mal tout ça. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez. Demande de nouvel opérateur. On avance. Non. Oh, c'est chiant ça. Hein. C'est chiant opérateur quand ça s'y met. Hein. Hop là. T'as même pas le temps de faire quoi que ce soit. Moi, je te allume. Bon, je suis désolé, c'est un épisode où on fait beaucoup de piratage. Mais vous l'aurez compris, ça c'est vraiment la vie quoi. C'est vraiment la vie. On n'a pas trop le choix. En plus c'est chiant parce que c'est du piratage 4, donc c'est-à-dire faut faire ça x4 là à chaque fois, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être satisfaisant, je ne sais pas. Ça doit être chiant à regarder quand même ça, hein. Pas te mentir. Allez, on avance vite. Donc là, faudrait que j'arrive à courir, sauter là-haut, mais normalement je pense qu'en vrai, si je passe par là et que je... Oh là là. Que je glisse pas surtout. Voilà, j'ai de la chance. Hop, bonjour. Contrôle de vol. Banane, cartouche de fusil à pompe, ça sent pas bon non plus. Ok, neuromode, modificateur d'armes, poubelle vide. Ah, non. Rien d'autre ici. Commande, déployer la passerelle. Alors attends. Effectuer vérification. Ça y est, on y arrive. Donc la passerelle est en train de se mettre en place. Il était temps, hein. Système stable. Oh c'est beau. Oh c'est beau, c'est une belle plateforme. Bon, je préfère vérifier une deuxième fois, voilà, comme ça on est sûr. Mais au prévenir que guérir. Me dira-t-on. Ça va où ici? Si ça continue, c'est pas pour rien. Non, c'est juste une petite vue toute mignonne. Oh, regardez notre planète Terre. Oh, elle est belle notre planète, bordel de merde. Elle est bien, bien pas ronde, hein. Elle est pas ronde la planète d'ailleurs. Elle n'est pas plate non plus. Désolé. Salut. Ah mais c'est parti. Direction la navette. On prend notre temps mais on y arrive, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Hein. Je sais pas ce qui va nous attendre, mais j'aime pas trop. D'ailleurs, je vais préparer directement le pompe. Parce que ouais, j'ai le flair. J'ai le flair. Et d'ailleurs, attendez, modificateur d'armes, j'en ai x10. J'en ai même 15. Autant utiliser ça maintenant qu'on peut regarder, améliorer. Voilà. Bam. Puissance de feu. Bam. Puissance de feu. Bien sûr. J'ai pas fini. Recul. Bam. Bien sûr. Ça régale. Munition max. On passe à 6 balles. Ça régale. J'ai pas fini. Vitesse de rechargement. Impeccable. Bon, maintenant il faudra armurier 2. Vous inquiétez pas, ça viendra. Ensuite, le canon glu.
Vitesse de rechargement. Je peux pas améliorer le reste ou comment ça se fait? Ah parce que ça il faut technologie de laboratoire. Ah rien à voir, d'accord. Un peu déçu. Le pistolet, bam. Puissance de feu, bam. Ça régale. Taille des chargeurs, on passe à 23 balles. Non, 20 balles, dommage, c'est déjà ça. La portée, on passe de 20 à 25 mètres. Et précision, on va passer de 65 à 70. Et on va même passer de 70 à 75, messieurs, dames. C'est incroyable. Pour la suite, il faudrait armurier 2. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que je n'ai pas assez? Il m'en manque une, dommage. Bon bah là on est pas mal, regardez, hop, on peut recharger une nouvelle balle. Allez, navette de commande, petite sauvegarde évidemment. On est parti, installez-vous confortablement, accrochez-vous. Il va se passer une dinguerie. L'homme en noir. Entrez dans la navette, oh il y a plein de choses en plus. Oh c'est magnifique, cherchez des indices vous menant. Ah je bois de l'alcool. Je bois de l'alcool, ici c'est la richesse hein. Ok. Là c'est l'arrière, je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès, par contre ça je prends, c'est magnifique. C'est magnifique, faut trouver des indices. Eh bien regardez, ça va être très simple. Au commandant Walter Dahl, message envoyé en copie à tous les points de contact connus. Lancez le protocole Kamazot. Décollage et mise en orbite dans l'heure. Les ordres de mission vous seront transmis en cours de route. Et on a un dossier. Diffusion immédiate requise, accès nécessitant un niveau d'habilitation Alpha Sigma. Je transfère. Merci, bonsoir. Commandant Dahl, ici William Yu, président suppléant du conseil d'administration de Transtar. J'ai besoin de vos identifiants pour autoriser cette mission. Bien sûr. Mes identifiants sont Zeta Invictus Empereur Mandarine. Ça correspond. Bonjour, directeur Yu. La navette est en orbite et prête à l'emploi. J'attends les paramètres de la mission. Vous devez sécuriser toute technologie et recherche de niveau d'habilitation Cobalt sur Talos One. Ensuite, éliminez tout le personnel de Transtar. Tout le personnel? Aucun survivant. C'est vous qui décidez. Et ce sont eux qui meurent. L'argent sera transféré sur 6 comptes différents au Benelux dès que vous aurez fourni une preuve du succès de l'opération. Je laisse tourner la diffusion de mon opérateur. Profitez du spectacle. Nous vous recommandons de déployer préalablement votre technicien dans le pare-feu d'un routeur de la station. Idéalement, dans les laboratoires techniques. Oui, j'ai vu les plans, monsieur Yu. Au revoir. Veuillez supprimer cette transmission. Il l'a pas fait. Désactivez le technicien de Dahl qui se cache dans les laboratoires techniques. Oh putain. Eh, par contre, c'est un truc de ouf. Donc là, monsieur Yu, c'est notre père, hein, du coup, hein. Ah, il était donc prêt à nous tuer, hein, à tuer tout le monde. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Donc, attendez. Donc, les clés du royaume. Donc là, pour le moment, on peut rien faire avec Alex parce que Dahl n'est pas encore neutralisé, ni son technicien. Par contre, voilà, on va pouvoir désactiver le technicien de Dahl qui se cache dans les laboratoires techniques. Laboratoire technique, évidemment. On n'y est pas du tout. Puisqu'on est aux navettes. Donc il faudrait que je sorte de l'extérieur et que j'aille au laboratoire technique. Ah putain, c'est pas possible. Il va falloir qu'on sorte les amis. On va sortir alors, c'est pas un problème. On va sortir. Alors c'est par là la sortie évidemment. Et ça tombe bien puisque nous avons la sortie ici. C'est quand même bien fait. Hein. Par contre je vais peut-être faire un peu de recyclage encore. Alors on va trier par type, voilà, comme ça on sait que tout ça on peut jeter sans aucun problème. Voilà, et le reste tout est consommable, on a vraiment plus de place dans l'inventaire, c'est un vrai bonheur. Ça c'est un vrai bonheur. Oh on se met bien là, on se met très très bien même. Oh, hop là. Allez c'est parti, on quitte Talos One, encore une fois. On va bien s'amuser dehors à mon avis. À mon avis... On va être gâté, hein, on va être gâté. Et on va se rendre du coup de nouveau. Où ça, encore dans la zone de stockage, quoi? Non, c'est pas ça. Alors. Technicien, ouais, c'est vrai. Je vois que mes opérateurs sont planqués dans les frais de RH dans les registres de Transtar. C'est vrai que je résous les problèmes des gens. Vos collègues cachés dans la zone de fret vont mourir asphyxiés dans quelques minutes.
Vous pouvez peut-être les sauver. Mais pour ça, le rat que vous êtes va devoir sortir des murs. Système de support de vie. L'heure tourne. C'est un vrai salaud. Morgan, Dan a coupé l'oxygène dans la zone de fret. Il n'y a rien que je puisse faire d'ici, et aucune des portes ne fonctionne. La salle de contrôle de l'atmosphère se trouve dans le système de support de vie. Si vous pouvez nous aider, faites-le vite, ou cette conversation sera notre dernière. Oh non, Sarah et Lazare. Madame et Lazare a raison d'être inquiète, même si son hypothèse est erronée. Dal manipule le mélange oxygène-azote. L'azote répandu dans l'atmosphère asphyxiera les personnes présentes dans la zone de fret bien plus vite que s'il avait simplement coupé l'oxygène. Je pense qu'il serait déjà mort si Dal ne se servait pas d'eux pour vous manipuler. T'as vu, January veut pas qu'on les sauve. C'est bizarre ça. Bon, on va peut-être essayer de les sauver alors. Si déjà. À moins que c'est de là qu'on vient. Non, on vient pas de là, c'est bon, on peut y aller. Power plant, ouais, c'est là. Allez, go. Centrale électrique. On va peut-être, voilà, on va prioriser là-dessus. On va essayer de les sauver quand même, les frérots. Hein, parce que bon, déjà qu'on en a chié pour les sauver. Enfin, pour les rejoindre, etc. Ils nous ont bien aidés également. Donc voilà, si on a moyen de les sauver, ce serait pas mal. Donc, objectif multiple. Attendez, je veux juste être sûr qu'on va là où il faut. Parce que si c'est pour se faire arnaquer, c'est pas la peine. Support de vie. Attendez, objectif. Sauver Rani. Donc ça, attendez, on va juste enlever ça. Le commandant Dal menace de couper l'oxygène. Voilà, c'est ça. Bon, la navette à la dérive, je suis désolé. Daniel Shaw, tuer le faux cuistot, on va le garder. Et ce sera tout. Voilà, les autres, je suis désolé. Voilà. Alors, trouver un moyen de réalimenter la zone de fret en oxygène. Et c'est bel et bien dans le support de vie. Et c'est là où je ne suis pas, puisque je suis actuellement dans la centrale électrique. Mais la centrale électrique mène au support de vie, c'est bon. Ouais, sinon il aurait fallu aller dans le grand hall de Talos, etc. Donc c'est bon, centrale électrique, support de vie. Donc il faut que j'aille vite dans le support de vie. Donc je suis actuellement au niveau 2, il faut que je monte, hop, ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur, si. Si, là, tac, bam. Non, ça descend. Ah, c'est pour descendre, mince. Faut que je monte au niveau 1. Bon, on va se débrouiller. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Support de vie. Bonjour, content de vous voir. Mes excuses. Alerte. Diagnostic en cours. Blessure superficielle. Rien de trop grave. Ok. D'ailleurs, ma combinaison. Voilà. Bougez pas. Ça ne prendra là, ça descend. Donc là, nous, il faut qu'on monte support de vie. De satisfaction afin que je puisse améliorer mes services. Ah, on va vraiment repasser là. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Oh ouais. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. On va vraiment revivre. On va vraiment revivre ça là. Les réparations aient été effectuées. Oh, allez vous faire foutre. Oh, allez vous faire foutre. Alerte. Niveau de... Allez vous faire foutre. Ah vraiment, je repasse pas par là. Hein. Attendez. S'il y a moyen de les sauver, on va essayer, d'accord? Parce que j'en ai fait des conneries. Microgravité mais détectée. On va essayer de faire ça de manière plus maligne, parce que là c'est juste pas possible. Carte de la station. Support de vie, donc faut que j'aille au grand hall de Talos One. Et pour aller au grand hall de Talos One, il faut que je repasse par l'arboretum. C'est une dinguerie, à moins que... Ouais non, support de vie, il n'y a pas d'autre moyen quoi. Il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Support de vie. Grand hall de Talos One. Arboretum. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Oh, c'est horrible. Bon, bah, extérieur de Talos One. Arboretum, grand hall. Ah, purée. Faut aller à l'arboretum. Et comme je sais pas où c'est... Technicien. Je sais pas où c'est moi. L'arboretum. Oh attendez, attendez, soyons malins. Soyons malins, regardez. La station. Ça c'est le haut. Ça c'est le haut, ça c'est le bas. On est d'accord? L'arboretum c'est tout en haut. Avec la statue. C'est avec la statue là-haut, bien sûr.
Donc la statue... La statue elle est là-haut. Je crois. Arbor et Tom, c'est bon. Allez go, on y va. Par contre on a 12 minutes. On a 12 minutes pour y arriver. Donc oh là là là. Clé d'autodestruction. Quoi? Moi je veux pas la clé d'autodestruction moi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula. Des drôles de bruit hein. Il y a des drôles de bruit. Regardez, on perd déjà tellement de temps là. C'est légendaire. Donc là, je suis en haut. Ok. C'est très très beau. Arbor et Tom, vite, 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 vite. En fait, tu perds déjà tellement de temps là. Allez, 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 allez. On y va, no stress, no stress. Bonjour. Opérateur militaire, oh bah, il m'avait même pas vu. Aïe. Allez, grouille. Ah, si tu prends 30 ans à ouvrir la porte aussi. Allez, direction donc l'arboretum. Ensuite, le grand hall et ensuite, le support de vie. Toi-même, tu sais. Bon, en gros, c'est l'ascenseur, il me semble. Hein. Tain, on en fait des allers-retours. Mais je vous ai dit, c'est un jeu Rockstar Games. C'est, on va d'un point A au point B pour aller au point C, pour retourner au point A, puis au point C, puis au point B de nouveau. Pas de temps à perdre, ça va où là? Stockage. Non, 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 non. Non, 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 non. Stockage, stockage. Moi, il faut que j'aille. Attendez, oh non, là, là, c'est pas possible. Support de vie, support de vie. Ouais, grand hall. Arboretum, grand hall, support de vie. Vite. Mais il me semble de toute façon que c'est le grand hall. Voilà, grand hall. Stockage, grand hall. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti pour rush, les gars. C'est parti pour rush. Une 20ème fois ici, bien sûr. Bah, tu sais quoi, je vais passer par là. Ah, ils l'ont pas vu venir celle-là. Ils ont pas vu venir ce que je viens de faire. Aïe. Hop là. Attrapez-moi, attrapez-moi. Wesh. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est très stylé. Allez, hop, grand hall de Talos One. Bon, c'est un petit peu dommage, hein, évidemment, sous ces chargements. Mais en tout cas, jusqu'ici, encore une fois, merci à vous. J'espère que vous kiffez ce que vous regardez. Si vous n'avez pas encore déposé votre like, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Puis mettre en commentaire ce que vous pensez du jeu. Là, je suis assez curieux maintenant. On a pas mal de recul quand même. On a pas mal de recul. Donc, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Hop. Allez, salle de contrôle de flux d'oxygène. 10 minutes. Le temps passe. Le temps passe. Support de vie, go 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 go. Je pense que c'est mieux de passer par là en effet, c'est un peu plus clair. Mais bon, on aura quand même des embrouilles à mon avis. Hein. À mon avis, on aura quand même de belles embrouilles. Oh là là. Morgan, on a presque plus d'air. S'il vous plaît, butez ce putain de sociopathe. T'inquiète, t'inquiète. Je vais le buter, je vais le buter. Hop hop hop, salle de contrôle, support de vie, on y arrive. On y arrive. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est incroyable ce qui se passe. Les capacités des neuromodes sont produites en enregistrant les connectomes des plus grands athlètes, artistes et penseurs de la Terre. Mmh, un petit peu de Einstein en moi. Ok. Ah ouais. Alors attends, j'ouvre la carte de nouveau hein, parce qu'on va éviter de faire des bêtises. C'est au niveau 2. Pardon. Mais là vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah oui c'est là niveau 2. What the fuck. Mais quel est ce bug? Attendez. Trouver un moyen de réalimenter la zone de fret en oxygène. Support de vie. Ah ouais maintenant j'y suis là au support de vie. Donc je dois me débrouiller, je dois aller au niveau 2 en gros. Ouais d'accord ouais. Ah attends. Tu te tais. Salle de contrôle de flux. Ok. Attendez parce que maintenant je peux craquer ici en vrai. Ah non. Toujours pas.
Pas de panique. Pas de panique, j'ai la strat. Vous avez vu ça? Voilà, et maintenant que je suis là, je fais quoi? Je vais manger ici. Ok. Je sais pas où je vais, mais j'adore. Bonsoir. Ah merde, je reviens ici. Oh non. Ah, j'ai trop le seum. Ah, je pensais que j'avais fait un truc de ouf là. Qu'est-ce que tu veux toi? Salle de contrôle de flux d'oxygène. Ah! Ok. Je descends et je vais. Ah putain, je suis bête. Je suis bête, bien sûr. Pas de problème. Ah, j'ai perdu du temps pour rien. En plus, on est encore pas allé là. Ok, bouge pas. Ok. Ok. Allez, go. Ils m'ont pas vu. Oh. Ah, bien sûr, j'étais déjà passé par là. J'étais déjà passé par là. Oh, ok, ok, je vois. Décontamination atmosphérique recommandée. Ok, on y arrive, on y arrive. On y arrive. Oh putain. Par ici. Par ici. Oh, je me chie dessus, je veux y arriver. Oh là là. Attendez. Eh, tu commences pas à me choper par le callback là? Hop, c'est parti, piratage, boum boum. I want you in my room. Hein? D'accord? Oh non. Ouais, je me chie dessus. Voilà, voilà. Voilà, attention le suivant. Voilà. Tu vas faire quoi, mon grand? Parfait. Ah, on va y arriver, vous inquiétez pas, moi j'y crois. Moi j'y crois. On est là pour sauver un maximum de gens parce que il faut me faire pardonner parce que j'ai fait tellement de boulettes en plus, franchement. On les compte même plus, hein. J'ai fait des assassinats, n'empêche, hein. Mais c'était pas moi, voilà, c'était pas moi. J'étais pas dans mon assiette. Eh ben heureusement que je peux craquer. Eh ben si j'avais pas le piratage 4, j'aurais même pas pu sauver mes collègues. Tu te rends compte? Incroyable. Hop. Oh bah c'est simplifié là, dis-moi. Voilà. Voilà. Oh là là, magnifique. Allez, go go go. Gaspard. Oh. Je vous écoute. Quelle est la situation dans la zone de fret? Stable. Non, c'est incroyable ce qui se passe. Alors toi mon pote. Alors toi mon pote. Alors mec. Et voilà. Alors là mon pote, je m'y attendais pas. Un problème de moi à gérer dans ce bordel. Maintenant il ne reste plus qu'Alex et les aliens. Je ne sais pas ce qui est pire. Non, là c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Attendez, priorité au direct d'abord, comment on fait? Salle de contrôle. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ok, il faut que je trouve un... Oh non! Il faut que je trouve un... Les gars, au secours! Oh, ça, là c'est la panique, il faut que je... Attendez, ça c'est incroyable. Réparer. Prendre. Placer. Oh, c'est bon. Oh, let's go. Oh, j'ai eu si peur. Si j'avais pas les pièces détachées par contre, ça aurait été très compliqué. Morgan, l'air est revenu à la normale. Je peux respirer. J'espère que ça veut dire que Dal, lui, ne respire plus. Merci. Encore un peu et nous allions oublier ça.
Et Lazare, terminé. Ouais, c'est ça. Et là, là, je me suis fait racheter parce qu'elle elle m'aimait pas trop, Lazare, hein, souvenez-vous. Hein. Alors là, je m'attendais pas à ce que je bute ce Walter Dahl. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que je le bute. Mais attendez, parce que ça change énormément de choses. Moi, je pensais désactiver le technicien qui se cache dans les laboratoires techniques. Ouais, pas de problème. Mais moi, je pensais que ça serait par la suite qu'on buterait le gars. Et au final, le fait d'avoir fait la mission secondaire, ça nous a permis de buter Dahl. Et c'est Dahl qui est aux commandes de tout. Bah maintenant, il est aux commandes de rien. Voilà. Impeccable. Impeccable. Bah les amis, une très 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 bonne chose de faite. Un magnifique épisode. On va pouvoir s'en arrêter là pour celui-ci. On va se rendre du coup dans les laboratoires techniques dans le prochain épisode pour désactiver donc ce fameux technicien. Et une fois que ce sera fait, on pourra retrouver Alex. Ça va être complètement dingue. Mais voilà, je vous le dis. Bref, maximum de pouces bleus. Le commentaire qui fait plaisir, c'est la récompense. Et à très vite pour la suite de cette incroyable aventure sur Prey. C'était MKolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 16h.